Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial action. Donc je vais tester les porte-clés, les stickers et le canevas en diamant carré. Donc j'ai toute la collection. J'ai le tigre, la licorne, la sirène et le panda, pardon. Et mon fils a choisi, Axel a choisi celui-là que je teste avec vous. Donc voilà, donc je mets ça de côté. Après, je testerai les stickers Butterfly. Voilà. Et après, le sticker, quoi, le porte-clés Licorne. Donc, nous y allons. Alors, je vais frapper les ciseaux parce que je pense que pour ouvrir, c'est mieux. Je vais attraper ça et. Pas besoin. Alors, donc je vais laisser dans les sachets. Donc ça, c'est tout le kit de base. J'en ai pas besoin. Mais si, de la colle, si, parce que j'ai pas amené à rien. Heureusement. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est du diamant carré. Voilà. Et c'est impartiel. Vous avez le tour qui est pas diamanté. Donc je vais le diamanter faire avec vous un petit peu. Il faut que je mette quelque chose pour qu'il reste à plat. Voilà, pour l'instant, un petit peu. Alors, de toute façon, je ne vais pas tout enlever des sachets. Huit là. Je vais faire le bas, je vais faire les A. Les A, ils sont assez jaunes. Je vais faire le A. Bon, j'espère qu'ils sont bien taillés. On va en faire ensemble pour voir si le A, je l'ai dit, c'est lui. C'est en l'air. Hop. Alors, je vais faire les A avec vous. Je vais défaire la protection. Alors, elle ne veut pas venir. Non. Elle a décidé qu'elle ne voulait pas venir, en fait. Voilà. Je vais mettre ça. Oh là là, mais ça ne va pas tenir. Hein. Ça, c'est carnage. Hein. Regardez. Ping. Comme ils l'ont plié en deux, ça reste plié. On va mettre le ciseau là. Pour que ça tienne à peu près droit quand même. Voilà. Le ciseau, il est lourd, ça va aller. Ça va le faire. Oui, j'en ai besoin pour couper. Bon, je vais le faire autrement. Je vais couper avec la pince. Voilà, avec la pince. Je ne vais pas tout prendre. Je vais en laisser dans les sachets. Un peu plus, j'allais dire, je vais tout prendre, mais oui, bien sûr. Donc, nous y allons. Donc, là-dedans, j'ai encore de la colle. Donc, je vais faire les A. J'espère que vous allez bien voir. Ça me paraît bizarre, d'ailleurs. Voilà. Excusez-moi pour les doigts devant. Voilà. Donc, après, je vous montrerai quand... Déjà, ça colle pas. Ah, mais je vais prendre la pince. Ça sera plus simple. Ça évitera que je m'énerve. Alors... assez coton à poser. Voilà, pour l'instant ça a l'air pas mal. En même temps, pour le prix, on peut pas voir la qualité, mais pour l'instant il se colle assez bien. Et il se touche. Je vais vous montrer en suivant après. J'en fais un petit peu et je vous montre. Mais pour l'instant, les carrés, ils sont pas mal, quoi. Je trouve qu'ils sont pas mal. Ouais, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Je vais vous montrer ça. Je finis les deux que j'ai à faire là. Et je vais vous montrer. C'est bien à faire, quoi. Ça n'a pas une sale tronche. Ça colle bien. Ils sont bien taillés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais recouvrir ça. Pas que ça abîme. Et je vais vous montrer le peu que j'ai fait. Déjà, ça a de la tronche, quoi. Je ne sais pas si vous allez y voir comme il faut. Alors, j'ai fait où? J'ai fait ce côté.
C'est la lumière. J'ai éteint la lumière du truc parce que ça gêne. Je pense que ça vous gêne. J'arrive, je vais ouvrir mon rideau et on va voir si on voit mieux ou pas. Avec le contre-jour, ça a l'air d'aller mieux. C'est où? C'est là. Regardez. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça se pose bien. Là, vous voyez bien. Regardez. Et moi, je trouve que ça se pose bien. Bien droit et tout. Voilà. Donc, après, je me préparerai un petit pilier pour continuer. Là, je vais tester maintenant porte-clé. Donc, je vais avoir plusieurs piliers à préparer, certainement. Donc, je vais remettre ça dans le sachet zip. Mais je vais me faire. Ou alors une petite. Ouais, une petite valisette, peut-être si j'en ai une. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs quand même là. Donc, me faire une petite. Non, j'ai une idée. Je vais chercher ce qu'il me faut. J'ai compris, je sais. Je reviens, je ne vais pas partir longtemps. Je vais chercher quelque chose que j'ai acheté sur Vinted de Karine. Il va me servir d'ailleurs, c'est très bien. Je vais mettre là-dedans. Je vais mettre mes sachets là-dedans. Voilà. C'est plutôt pas mal, ça. Donc, je vais mettre mes sachets là-dedans. Voilà. Côté, ouais. Je vais prendre les roses. Comme ça, je saurai à qui appartient à quoi. Hop, je vais pas mélanger les couleurs. J'aime pas ça. Voilà, ça il y a 939 dedans, le célèbre cadeau de Karine. Celle-là tient pas bien, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, donc je vais mettre mes sachets déjà faits dans le rose. Voilà, comme ça je saurai que le rose ça appartient au tigre de chez Action. Donc je vais mettre celui-là parce qu'il est entamé là-dedans. Et ensuite, de toute façon je vais me faire des étiquettes avec une picoteuse. Comme ça, voilà, je les mets dedans. Je saurai que c'est diamant carré de chez Action. Et l'autre dans l'autre, ça rentrera. Parfait. Hop, je vais mettre une étiquette dessus. Diamant carré, Action, tigre. Le truc, je vais le replier, je vais le remettre dans la caisse, dans sa boîte, en attendant. Et le dernier. Voilà, comme ça, je mettrai dessus avec l'étiqueteuse tigre, Action. Comme ça, je saurai. Hop, ensuite, je vais le remettre dedans. J'aimerais bien le laisser à plat parce qu'il est quand même bien tordu. Parce qu'ils l'ont plié. De toute façon, ils les ont tous pliés comme ça en deux. Donc, je vais le mettre là. Je vais mettre du poids dessus. Allez, un peu de poids. Voilà. Alors, nous disons que je vais faire ça. Mais je pense que ça, je vais peut-être le faire assez vite. Je vais prendre la licorne porte-clé. Alors, nous y allons. Je vais découper. Ah, les boîtes, sans déconner, s'ils ont peur qu'elles s'envolent, elles ne vont pas s'envoler. Hein. Je vous rassure, j'aurais dû emmener mon truc. Bon, le porte-clé, comme vous l'avez déjà vu passer sur les chaînes, il est comme ceci. Ce sont des strass. De toute façon, moi, je ne vais pas m'en servir en porte-clé. Ça, je vais faire... Peut-être le mettre sous le collet sur un cahier, je sais pas, sur un devant de cahier, je sais pas encore. Donc là, je pense que ça va... Ouais, c'est souple, très très souple. Il paraît que c'est fragile. Mais bon, pour le prix, pour tester avec vous, c'est pas très grave. La chaînette en argent, ainsi que la boucle là, voilà. Tac, le tout kit de base, un peu tout mini, plein de colle, évidemment qu'ils ont mis une barquette blanche, le stylet, le ciseau, il va pas là. Donc, je vais faire le petit porte-clé. Maintenant, je peux allumer peut-être la lumière, je sais pas. Je vais vous mettre ça dessus. Je crois que vous êtes trop bas, hein. C'est pour ça que vous voyez pas. Je vais vous surélever un petit peu, n'est-ce pas ? Peut-être que vous y verrez un petit peu mieux, parce que là, le trépied, je l'ai mis sur ma chaise, déjà, sur mes tabourets déjà. Parce que l'habitude, c'est Jojo qui me filme, mais là, il est en stage. Là, bien sûr, c'est pas drôle, autrement.
un code vidéo. Super. Il me faut un troisième tabouret. Tac, 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 tac. Je vais prendre le troisième qui est là. Sans casser le téléphone parce que, bon, ça serait dommage. Excusez-moi si je bouge un peu, hein. Je suis un peu brûlée, hein. Je fais le déménagement de l'extrême. Alors, voyons voir. Oh, là, c'est haut, mes amis. Maintenant, c'est trop haut. Oh, mais ça me rend fou, moi, ça. J'aurais dû tester avant, hein. Et le mettre sur la table, ça ira pas sur la table. Non, mais trop, il met pas car. Alors, est-ce que vous voyez. Mais on voit l'ombre là, ça me saoule. On voit l'ombre. Il est où mon porte-clés? Voilà. On voit pas bien. On voit pas bien. On voit pas bien du tout. Je suis en train de me stresser cette histoire. D'habitude, la luminosité, elle est meilleure. C'est mon ombre qu'on voit. Sinon, c'est pas drôle. Il est là. Bon, je vous le montrerai. Alors, 5. 1, 2, 3 et 4 et 5. Voilà, je vais faire. Bon, il faut que je rallume la lumière, je vois que dalle. Moi, par contre, je vois rien, ça c'est sûr. Hein. J'ai les bicyclettes, mais je vois que dalle. Hein. La prochaine fois, je ferai. Si j'allume que le derrière. Est-ce que vous... ouais, ça va aller de voir mieux déjà. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça, ça, ça maintenant. Ben on y voit mieux, mais c'est mon ombre qu'on voit. Là je suis là, donc je vais laisser là-dessus. Je vais prendre une couleur verte, comme ça, pour la mesure, je mets dedans. Et je mettrai le porte-clé, comme ça je saurai, quand l'attache, comme ça je saurai que c'est le porte-clé bicorne. Faut pas me mélanger les pinceaux. Je vais faire les trois parce que les trois il y en a plein là. Donc je pense de toute façon que je vais faire le porte-clé entier avec vous. Ça ne mange pas de pain. Ça va vite à faire. Donc je vais faire tout le numéro 3. Je pense qu'il y en a assez. De toute façon les strass j'en ai déjà plein. Alors, tu vas te sortir ça? Oui, c'est bien. Là, tac. Je vais enlever l'hypercule. C'est chaud patate pour enlever d'ailleurs. Ça y est là. C'est tout petit, tout fin. Elle est trop jolie, elle est trop chou. Alors, peine de colle à prendre le tout petit. Hein, puisqu'il est tout petit petit. Je prends mon stylet et on y va. Allez, je vais faire les trois avec vous. Mais ça me prend même pas. J'aime pas moi les... Et si j'étais moins bête déjà. Alors, nous y allons. Hein. Excusez-moi si vous entendez mon ventre. Je vais mettre la pince à mieux. Allez. Chut. Attendez, je vais la mettre dans la cuisine à manger. Hop. Ça va aboyer jusqu'à pas d'heure. Ça va. Excusez-moi, je suis de retour. Elle a entendu les voisins. Et comme elle, c'est la sonnette de la porte. Hein. Excusez-moi. Bon, vous allez entendre aboyer pendant un moment. Hein. Vu que je ne suis pas dans la salle à manger, elle va faire que ça. Jusqu'à temps qu'elle n'entende plus le bruit de la porte. Voilà, pour l'instant, ça se pose plutôt pas mal. Ça tient bien. Bon, c'est minutieux. Hein. C'est poutio. Hein. Mais c'est trop chou. J'ai vu aussi pour cette semaine, sur le catalogue de chez Action, qu'ils allaient remettre des 40 par 60 à 3,99€. J'ai vu qu'il y avait un éléphant avec une cascade, super beau. Mais dans mon action, ils avaient dit que ça serait pour cette semaine et ça n'y est pas. Donc il se peut qu'ils aient du retard sur les livraisons. Donc j'aimerais bien aussi qu'ils arrêtent un peu, qu'on renfloue les comptes. Là c'est coup sur coup quand même.
Donc voilà. C'est la seule pub que j'accepte dans ma boîte aux lettres, c'est Action. Les autres pubs, j'en veux pas. Et comme le monsieur qui passe distribuer les pubs, il sait que je prends que l'Action, Adrexo, c'est la boîte qui distribue les publicités chez nous, bon, partout ailleurs aussi. Hein. Et du coup, il me laisse que le catalogue, quoi que la pub Action. Il sait que, voilà, c'est mon magasin fétiche. Donc du coup, il me laisse que celui-là. Pourtant, il est marqué pas de pub. Mais il me connaît, à part quand c'est la remplaçante, alors elle ne me laisse pas du tout, parce que bon, elle ne sait pas. Mais là, quand c'est lui, il me le laisse. Là, je vais vous montrer les trois. Je vais les avoir bientôt terminés. Quoi, pas terminé, mais pas loin. Jonas est en stage, c'est son dernier jour aujourd'hui à la pharmacie. Et j'ai reçu un message de sa prof ce matin, d'Ulysse. Elle est positive au Covid, donc la semaine prochaine, il va avoir des cours en moins. Il n'était pas très content, parce que bien sûr, sa prof, il lui tardait de la revoir, mais non, elle sera là que jeudi de la semaine prochaine. Voilà, super. Donc il va... mardi, il n'a pas cours, du coup. Non, super. Il est content, hein. Lui qui adore l'école. Mais... De toute façon, il va avoir du rattrapage à faire puisqu'il a manqué une semaine puisqu'il était en stage. Donc, il va... Les jours où il n'aura pas cours, il se focalisera sur le rattrapage des devoirs et des leçons qu'il n'a pas fait. Moi, je suis encore positive, mais bon, j'ai plus de fièvre déjà. C'est déjà pas mal. J'ai presque plus de symptômes, à part le mal au dos, je tousse un petit peu, pas grand chose. La migraine, je l'ai toujours, ça c'est sûr. Mais bon, les symptômes sont moins, moins violents, quoi, qu'au début. Alors, j'ai bientôt fini les trois, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Après, on continuera ensemble. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le tuto. Voilà, j'en ai plus que là. Il est beau, hein. Il ressort bien. Hein. Pardon. Alors, nous y allons. Il n'en reste pas beaucoup. Bah, le plus qu'il y avait, c'est les 3 et les 5. Hein. Bon, et ça, c'est bien, même pour faire avec des enfants, si vous voulez pas les faire vous-même. Ou même si vous voulez débuter le diamant painting pour tester, c'est pas mal. Les stickers et voilà, c'est... Pour les débutants, c'est bien. Ceux qui veulent se lancer dans le diamant painting et qui n'osent pas, elles peuvent déjà prendre les petites bricoles qui a Action, les stickers, les veilleuses, les porte-clés, les cartes. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez tester déjà à Action si vous voulez vous lancer dans le diamant painting. Au moins, vous aurez déjà un avis si vous aimez ou pas. Parce que si vous achetez une toile, et franchement, si vous n'aimez pas, si vous n'adhérez pas à ça, mais en principe, quand on commence, on est vite accro. Hein. On est très vite accro, donc je pense que même si vous n'êtes pas patiente, moi je ne l'étais pas du tout, et franchement, le diamant painting m'a aidé sur ça. Ça... Moi, ça m'a calmé. Niveau caractère, bon, je crie un peu moins déjà. De toute façon, quand vous êtes focalisé sur le DP, vous ne regardez pas ce qu'il y a autour, vous ne réfléchissez à rien. C'est beau, hein. Déjà, le 3, il est joli déjà. Je vais vous le montrer, je finis. J'en ai 3, 6, 9, 9, 12, 14 à faire et j'ai fini. 14 petits diamants à poser et je vais vous montrer déjà le résultat pour les 3. Je sais pas si je... Ou alors je continue pas, je continuerai... Je vais remettre la...
je l'ai mis où la feuille? Là. Je vais remettre la feuille après et puis je ferai un petit peu de sticker. Parce que je ne veux pas trop entamer. Ça c'est bien, je peux le faire entre deux. Parce que la vidéo déjà fait 20 minutes. Franchement, je suis pas déçue de ma toile carrée. Elle va être super bien à faire. Déjà, les carrés, ils se posent bien, ça colle bien. Bon, à part qu'elle est dommage qu'il n'ait pas mis une plus grande boîte ou l'enroulé comme ils font pour les toiles action, parce que là, en deux, elle est un peu tordue. Quoi, elle se remet dans le sens qu'elle veut. Hop. De toute façon, les strass, je les garde. Je garde tous les strass que j'ai. J'en ai une panoplie phénoménale, mais je les garde. Déjà, il suffit qu'il y en ait un qui se décolle et que je n'ai pas la bonne couleur. Au moins, j'ai l'avantage de les avoir en réserve. Il y en a un qui s'est collé là, je ne sais pas pourquoi. Depuis quelques jours, les diamants, ils se collent n'importe où, ils vont n'importe où. Voilà, je vous montre déjà les trois que j'ai fait. Attendez, je l'attrape délicatement. Voilà, déjà, ça donne pas mal. C'est plutôt joli, moi, je trouve. Hein. Je cherche le contre-jour. Voilà, c'est plutôt pas mal. Déjà, les trois, ils sont finis. Donc, les trois, je peux pas besoin de les remettre dans la pochette. Je vais les mettre dans un truc comme ça. Je vais la recoller. Parce que je veux... Ça ne s'abîme pas, déjà. Bon, c'est... parce que maintenant que j'ai mis les travers, évidemment, de toute façon, moi et droit, moi et la droiture, ça n'existe pas. Je sais pas si je parle français, mais moi et droit, je sais pas ce que ça veut dire. Quand je découpe, voilà, mais c'est pas mal. Hein. Donc voilà, les trois, je vais les mettre là-dedans tout seul. Lui, je vais le remettre dans sa boîte. Elle est où là? Elle est là. De toute façon, je le ferai dans la foulée pour pas qu'il s'abîme. Ouais, voilà. Tac, les sachets, je vais les mettre avec les trois, c'est pas grave. Les trois ont été faits. Et avec le porte-clés, comme ça, je serai sûre de savoir à qui ça appartient. Voilà. Donc, on s'organise comme on peut. Hein. Parce que là, bon, si je vais pas faire des. Hop, alors maintenant je vais tester, ça a été testé, ça a été testé, ça va à la poubelle. Le toolkit je le garde parce que c'est pas les stylés, c'est pas les mêmes. Alors maintenant je vais essayer le sticker butterfly. Ça c'est pareil, ça a été plié en 10 000. Je comprends pas. Hein. Je vais faire qu'un. Je vais en faire qu'un, je vais faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? La coccinelle me plaît bien. Alors, la coccinelle, il y a du noir, il y a du rouge et il y a du blanc. Le noir, j'espère qu'il va avoir assez de diamants pour tout ça, parce qu'il n'y a qu'un truc, c'est bizarre d'ailleurs. Bon, on va déjà faire, j'ai dit, la coccinelle. Ou alors faire le cactus, là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'une couleur. Je pense que je vais tester sur celui-là. Voilà, parce que bon, le reste, c'est. Je vais le mettre à plat, ça déjà. Parce que c'est pareil, hein. Ça n'a pas été plié comme il fallait. Donc, je vais faire le vert, c'est. Le vert, c'est le H. Oui, c'est ça. Donc, ça va. Je vais faire le H. Je vais tout faire le H, comme ça, ça sera fait. Je pense pas qu'il y en ait dans d'autres trucs. Si, il y en a dans d'autres trucs. Bon, donc ça là, je vais le remettre dans la boîte. Le H, je le mettrai dans une petite truc là, comme ça. Le sticker, bien sûr, il sera sur le. Bon, le toolkit de base, hein, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, les H, je vais faire ça. Je vais couper sur le côté juste pour pas que ça se barre partout. Donc, je vais faire la petite feuille ou le petit cactus, je sais pas. Ouais, c'est une feuille ça, hein. C'est une petite feuillasse, je vais la faire avec vous. Allez hop, on va tester ça.
J'avais dit que je ferais une vidéo que je testerai tout ce que j'ai en action et tout truc. Bon, j'en ai d'autres, hein, je vous rassure, je sais pas que ça. Hein. Allez, je vais mettre le ciseau ici, comme ça va empêcher le plastique de repartir sur le... Sauf qu'il y est déjà allé quand même. Sinon, ça serait moins drôle. Là, ça colle bien à peu près. Je prends mon stylet, là cette fois-ci ça ira. Oui, ça colle bien, ça va. Ça colle même bien, très très bien. Moi, vous savez, ma grande passion pour les collections de Action, alors là, tout ce qu'il y a, il faut que je l'aie. Hein. De toute façon, j'ai arrêté les commandes de AliExpress. Et maintenant, je me focalise que sur le Action. Sur tout ce qui est Action, je me focalise que là-dessus. Comme ça... Voilà. Bon, je fais les haches avec vous et après... je vous montre et après j'arrêterai la vidéo pour aujourd'hui, mais c'est plutôt pas mal. Mais je suis agréablement surprise de la toile du tigre en diamant carré de chez Action. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien taillé et que ça colle aussi bien et que les bords se touchent. Il y a des vendeurs sur AliExpress que les diamants carrés ne sont pas aussi bien taillés. Donc là, je suis contente. Donc du coup, j'ai la collection de 4. J'aimerais bien aussi qu'ils fassent vraiment des toiles, des grandes tailles en diamant carré. Ce serait pas mal. Ça changerait un peu. Parce que maintenant, ils en ont tout sorti. Et par contre, à Pâques, là, j'ai vu Gérardet, il n'y a pas de toile de Pâques. C'est dommage parce qu'ils ont fait Noël. Ils auraient pu faire une collection de diamant painting de Pâques. Ça aurait pas été... pas été mal, mais bon, il y a déjà quand même pas mal de choix au niveau diamant painting chez Action. Hein. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ils en sortent, ils ont trouvé le bon filon là, ils ont trouvé les bonnes clientes, donc ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Voilà. Donc après je remettrai dans une barquette là, je saurai où c'est. Vous voyez, Izzy s'est arrêtée toute seule. Dès qu'elle n'entend plus la porte des voisins, ça va. Mais quand ils marchent fort, ils arrivent, elle les entend, donc ça la fait stresser sans doute, je sais pas. De toute façon le facteur est venu tout à l'heure, pareil, elle a entendu marcher, elle a aboyé. Elle aboie déjà quand mon mari débauche. Hein. Même quand les garçons rentrent, elle aboie aussi. Hein. C'est une alarme sur pattes. J'appelle mon alarme sur pattes. De toute façon, j'ai mis le mode avion, que la tablette, si on me téléphone, qui va sonner, mais elle est là-bas, dans la salle à manger. Moi, je suis dans la cuisine. Après, je vais la poster direct. Du brouillard. Il faudrait que la luminosité de la cuisine, c'est pas top. J'ai presque fini. Après, je vous montre l'évolution et après, je laisserai la vidéo là. Et je vous montrerai quand j'aurai fini. J'en ai là aussi, je vais pas les faire avec vous, je vais faire juste
L'avant, c'est une feuille, je crois. C'est bizarre, mais c'est une salade, c'est une feuille. Vu que c'est des insectes. Là, cette planche là, c'est Marion qui me les a trouvées. J'avais tous les 11 sauf celle-là. J'arrivais pas à la trouver. À mon avis, elle a dû plaire parce que il n'y en avait pas. Ou alors il n'y avait qu'un modèle à la vente. Par chaque lot sans doute. Parce que là, j'en ai pas trouvé, je n'ai jamais trouvé. Donc je remercie beaucoup Marion. Comme là, elle m'a trouvé les aquamarqueurs, les nouveaux, de chez Action. Je les ai tous, sauf il me manque les agrumes. Là où il y a les agrumes, il me les manque. Donc voilà, c'est tout. C'est que cette boîte-là qui me manque. Là où il y a les oranges, le citron dessus. Celui-là, il a sauté. Ah, ping. Vous entendez bien que ça se place bien aussi, hein. Pas mal, j'aime bien. Voilà, plus que 6 et j'ai fini et je vous montre le résultat. Axel, c'est bien parce que quand je fais des vidéos, ça va, il est dans sa chambre, j'entends pas. Mais si Axel, Jonas est là ou son père, j'ai beau leur dire que je vivais une vidéo. Voilà, j'ai fini les haches. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, j'ai fait celui du haut. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, bien que ça fasse le zoom. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est ouais, un bon test, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, pensez à liker, abonnez-vous, partager, activer la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés. Bye bye!